Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, thưa quý vị đứng đầu nhà nước, đứng đầu chính phủ và tất cả quý vị khách quý có mặt hôm nay. Thay mặt chính phủ Việt Nam, tôi vui mừng tham dự hội nghị hội chợ nhập khẩu quốc tế của Trung Quốc lần thứ nhất ở thành phố Thượng Hải tươi đẹp và năng động, một trong những thành phố đi đầu về cải cách mở cửa của Trung Quốc, một trung tâm thương mại lớn của thế giới. Tôi và đoàn đại biểu chính phủ cùng các doanh nghiệp của Việt Nam trân trọng cảm ơn ngài Chủ tịch Tập Cận Bình và ban tổ chức để đón tiếp. Monsieur le Président de la République populaire de Chine, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, je suis très honoré de présenter le gouvernement vietnamien pour participer à cette exposition et de venir en visite dans cette belle ville de Shanghai, qui est le centre de commerce national. Je tiens à remercier très vraiment Monsieur le Président Xi Jinping pour son invitation. L'économie mondiale commence à gagner en reprise et la nouvelle révolution économique gagne les différents pays et chaque entreprise. Dans le conflit commercial d'aujourd'hui, toutes les parties concernées doivent passer par le dialogue, la confiance réciproque et le respect de la loi du droit national pour résoudre les problèmes concernés. Depuis 40 ans, la Chine maintient la politique de réforme et d'ouverture et remporte les réalisations remarquables. Elle a apporté une grande contribution pour la croissance économique mondiale. La Chine a avancé et mis en œuvre une série d'initiatives de coopération pour promouvoir le dialogue régional et la connectivité régionale. La Chine est d'ores et déjà devenue la deuxième entité économique importante. Nous apprécions hautement l'organisation par la Chine de cette exposition nationale de l'importation de Chine qui illustre le concept de coopération gagnant-gagnant nationale et qui favorisera la croissance économique régionale. Mesdames et messieurs, le Vietnam a un ancrage ancien, un arbre ne fait pas la montagne, et trois arbres font le grand sommet. La solidarité et l'assistance et l'entraide constituent la source de toutes les énergies. Et il y a un adage chinois similaire qui dit que seul l'arbre ne fait pas le bois. Dans le contexte de l'intégration nationale et la globalisation économique, aucun pays ne peut pas compter sur ses propres forces pour se développer sans participer à la au processus de la globalisation. Le développement commun constitue une entente de tous les pays et les peuples En tant que pays ami voisin de la Chine, nous sommes toujours attachés au développement des relations Vietnam-chinoise et de vouloir le développer sur une longue durée et durabilité. Nous maintenons le principe d'ouverture, de transparence et d'inclusivité pour le système de l'échange multilatéral et nous voulons soutenir le rôle central joué par l'OMC avec les différentes politiques de commodité commerciale et de facilité. Et nous voulons également réserver un environnement favorable à toutes les entreprises. Surtout, nous soutenons les PME à participer à la chaîne de valeur ajoutée globale, mondiale. Nous avons réalisé depuis ces dernières années une croissance de PIB de 6,5%. Sont devenus un pays à niveau de revenu moyen. Depuis ces quelques années, le Vietnam figure parmi les trois entités avec la plus forte croissance économique. Le PIB a augmenté, multiplié par 1,7 fois plus élevé. Cette année, nous pourrons avoir un taux de croissance de 7%. 80% de nos populations sont au moins de 35 ans, presque 100 millions de populations ont vu leur niveau de vie augmenter avec le niveau de revenu moyen célèbre déjà từ 7.000 $ en 2017 sur la critère de capacité, sur le pouvoir d'achat. Concernant l'environnement favorable aux investissements et aux affaires, nous avons beaucoup avancé dans la liste de classification avec l'élargissement de la taille du commerce. Et nous pouvons espérer réaliser un montant global de l'échange de 500 milliards $. Nous avons signé et sommes en train de négocier également des accords de libre-échange avec 16 pays, dont 15 avec les pays membres de G20. Cette exposition a attiré plus de 130 pays, alors que justement plus de 130 pays ont déjà investi au Vietnam, avec le montant contractuel de plus de 337 milliards $. La Chine est l'un des plus grands partenaires commerciaux du Vietnam et nous sommes aussi le plus grand partenaire commercial de la Chine parmi les pays membres de l'ASEAN. Cette fois, beaucoup d'entreprises vietnamiennes performantes participent à cette exposition pour démontrer, exposer les produits agricoles, industriels et de services, espérant qu'à travers cette exposition, plus de consommateurs connaissent les produits vietnamiens et contribuent à affermir la transparence, l'ouverture et l'équité du système commercial. Nous sommes en train de travailler sur un meilleur environnement d'affaires pour mieux respecter les principes du commerce international. J'espère que toutes les entreprises des différents pays se développent bien au Vietnam. Je forme le vœu pour terminer un plein succès à cette exposition. Merci de votre attention.